Bah, on doit protéger à ça. On doit protéger à ça, donc... Attends, je vais faire la part. On tire dessus, on tire dessus. Ah. Ouais, et puis il y a un hélico en face de nous. Il y a un hélico. Ah, à terre. Ouh. Il est mort. Ouais, dans l'hélico, il s'est pris une balle tête. Snipe. Facebook. Love to. Yup les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Warzone. On va se retrouver pour une des meilleures best class setup du jeu. J'ai énormément fait de vidéos sur la M4A1 et j'ai fait une vidéo comparaison avec cette arme là. Et oui, vous savez de quelle arme je veux parler, de la GRO 5.56, une arme que vous avez énormément réclamée en best class setup. Et évidemment pour montrer tout ça, pour montrer l'efficacité de l'arme, on va se retrouver pour un 22 kills solo vs solo. Et oui mon pote, et ici c'est que du gros gameplay. 24 kills hier, aujourd'hui 22 kills mon pote. Donc t'as intérêt à t'abonner si tu veux du gros gameplay ici, des astuces, des tutos, et défonce-moi cette barre de likes. Défonce-la moi. Si on pouvait atteindre plus de 1200 likes en moins de 24 heures, ça serait juste insane. Je compte sur vous. Si t'es nouveau sur la chaîne, t'inquiète pas, dis-le. Dis que t'es nouveau dans l'espace des commentaires. Tu vas bien être accueilli par les tryhards, par mes petits tryhards qui vont bien s'occuper de toi. Si t'as une question, ils vont te répondre, ils vont être là. T'inquiète pas, tout est là pour toi. Tout est là. On est là pour un 22 kills. Je compte sur vous. 1200 likes. Partage la vidéo. Et on reparle un peu plus tard de la classe. Ok, c'est parfait. Ok, c'est maman claqué. Ok, let's go. On est good. Perfect, let's go. Deuxième kill. En plus, on a toujours silence de mort. Ce qui est plutôt assez good. Il y a encore quelqu'un qui veut venir? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre là qui veut venir? Ah, parce qu'il n'y a pas de problème, hein. Bah, suffisait juste de demander. Il n'y a personne d'autre. Si ça c'est pas good. On va aller prendre par contre un drone. J'espère d'ailleurs dans une prochaine mise à jour on pourra quand même acheter silence de mort. Je trouve que ça fait tellement le taf. Ok. Ouais, rage pas frérot. L'autre il est en train de rager comme un fou là. On peut aller ici. Est-ce que c'est une bonne idée? Je vais aller reprendre un drone et puis je relance directement juste derrière. Ok, on va faire attention. Incroyable, hein. Let's go. Bon, on est toujours à 6 kills. Par contre, ça risque d'être un peu plus compliqué d'aller récupérer notre loot maintenant. Je crois qu'on est obligé de retourner au Superstore. On a assez de munitions. On va aller très vite reprendre un drone. Ah, donc il y a bel et bien un mec. Alors, soit il est dans les cieux, soit il est au top. Let's go. Bon, bah du coup, on a le kill. On n'a toujours pas assez pour se reprendre un drone.
Voilà, de nouveau des plaques d'armure. Bon, qu'est-ce qu'on prend ? MP7. Mon petit oiseau. Mon petit oiseau. En plus, il a l'aggro, l'autre. Mais il avait déjà ses classes. Bah, s'il avait déjà ses classes, attends. Vu que j'ai pris la MP7. Non, pas ça. Espèce de psychopathe de jeu. Je m'en fous de ton bazooka. En plus, il joue avec la bonne classe. Putain, il est directement parti camper. Hein. Ok. Ça fait mort. L'autre il campe directement à son petit top. Je suppose qu'on pourra pas le déloger pendant un bon moment. Ouais, ok, ils sont tous entre. Ah, ils sont tous là. Ok. Ok, il n'y a pas de problème, gros. Ça dégage. Ok. Allez, s'il te plaît, monte un peu. On est un peu dans la merde, frérot. Ok, hop. Vas-y, monte. On a du monde à écraser là. Ah ouais, en fait, il écrase one shot le truc. Parfait. C'est peut-être le moment d'y aller et de prendre un petit drone. Allez, ça dégage. Ah ouais, j'ai une grosse frérot. Hein. Ok, on balance. Ah, ils sont tous de l'autre côté. C'est quoi, on va prendre l'HDR du coup. Il a 12 000. Putain, il se met bien enfoiré. Bah merci frérot. Kit d'autoréa. Un drone. Tout ça pour utiliser des C4 sur moi. Lamentable. Ah. Ah, j'ai le démon. Si je les one shot pour l'autre, ça va me foutre un peu le démon tout ça. Ouais, je les one shot pour l'autre quoi. C'est même pas moi qui aura le kill.
de la ressortir, frérot. T'es mort, frérot, t'es mort. C'est bien tenté. Franchement, c'était culotté. Ok, ils sont tous là-bas. Il y a quelques-uns qui sont déjà tout près de la zone. Ok, il y en a un qui s'est cassé ici. Ah. Il a pris un largage. Il est mort. Frérot, bah, tu vas devoir sortir. Fais vite. La zone n'est toujours pas là? Ah. Ok. On a eu de la chance qu'il nous ait pas tiré dans la tête en vrai. Hein. Ok. Je sais pas qu'est-ce qu'il foutait. Oui, je sens qu'il va être relou. Let's go. Ok, let's go. Let's go! Let's go! Du coup, nous voici avec la conception de l'aggro de la classe. D'ailleurs, j'espère que le gameplay vous aura plu et que le petit montage également vous aura plu. J'ai pris plus de temps, je pense que ça s'est un peu ressenti. J'essaie de m'améliorer au fur et à mesure du temps et j'espère que ça vous aura plu, en tout cas au niveau du gros gameplay. Et surtout... tout ce qu'il faut en matière générale. Niveau du canon, on va attaquer directement avec le deuxième, le Tempus, qui va juste également modifier le viseur. Donc, pas besoin de mettre de mini viseur Reflex GI comme j'ai l'habitude de mettre. Ça suffit amplement et ça va nous laisser un peu plus d'espace pour autre chose. Ensuite, au niveau du silencieux monolithique, super important. Je pense que là-dessus, tu es d'accord. Niveau de l'accessoire du canon, vous pouvez mettre deux choses. Soit vous mettez la poignée avant de commando, c'est comme vous le souhaitez, ou sinon vous mettez la poignée avant de mercenaire. De nouveau, c'est comme vous le sentez. Personnellement, c'est vrai que la poignée avant de mercenaire est vraiment très très utile. Niveau des munitions,
60 balles, voilà, pas besoin de mettre autre chose. Et la poignée arrière, je pense que là-dessus, tu connais à force, tu connais, on cherche toujours la visée accélérée. Donc, évidemment, on va mettre le premier qui va justement nous permettre de viser un peu plus rapidement et qui est très utile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt sur YouTube. Ciao, ciao tout le monde!